Okay. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Ou dans la nuque. Mais qu'est-ce que tu... Où est-ce que tu penses aller, là? Ok, très bien. On va avoir une palette. Ok. Non! Et le prix du dénor des décernés cette année! Oh! Ok. Très bien, très bien. Non, non, pas la lampe. J'ai quelqu'un avec une lampe? Ok, on va poser ça ici. On va les faire avancer. Ou reculer. Non! C'est pas très gentil, ça. Voilà. Ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Ok. Ça se joue à pas grand chose, hein. On a un moteur là. On va pas camper. On va tout simplement aller vers les moteurs ici. Voir s'ils les ont avancés. Utiliser le tour et jouer. Continuer à miner les terrains. On va aller en face. S'ils ont fait quelque chose ici. Il nous reste pas beaucoup comme dose. Ok. Force. On va le cacher ici. Plaisir est pour moi, Oxelis. On a ici ce moteur qui avance. Non? Ok. On va aller en haut, là. S'il passe par la fenêtre, en face, et que j'ai bien dosé l'emplacement. Ok. C'est pas le cas, là. C'est le cas ici. Très bien. On sait pas où est-ce qu'ils sont. Pour l'instant. C'est le rubis. On sait pas où est-ce qu'ils sont. Est-ce qu'ils sont cachés là? Ils sont cachés en face. Peut-être même qu'ils vont faire un moteur dans les secondes qui viennent. Vu le silence assourdissant qui se produit. Ouais. Ça joue à pas grand chose là. Hein. Ils sont réunis, ils sont ensemble. Ils ont quelqu'un qui est là, qui est passé à gauche. Ah, c'est la même. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Ah, t'as pas d'amis, t'as pas d'amis. T'as pas d'amis. On va faire ça là parce qu'il y a quelqu'un qui va essayer de venir l'aider. C'est sûr. Non, ok. Et où est-ce qu'est-ce que vous faites, les gars? Sans déconner, qu'est-ce que vous faites? Bien, regardez, les ninjas. Les ninjas, c'est-à-dire que t'en as aucun qui vient l'aider. Ils sont tous en train de forcer le moteur. En train de se dire aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Regardez comment ils se cachent. Je les ai pas vus, hein. Personne ne les a vus, hein. On les a pas vus, hein. Ils sont juste en train de forcer les moteurs. Quelqu'un les a vus? Non, hein. Non, non. Ils sont juste en train de ninja à l'infini. Franchement, ils se cachent tous. Il y a... Après, c'est le jeu. Encore une fois. Encore une fois, pourquoi pas? Mais quand même. Vas-y. Passe. Ça va me faire plaisir, vas-y. Oh non! Pro gamer. Voilà. Regardez, il y a encore deux autres cachés là-bas.
qui sont en train de forcer le moteur. Ouais, proxy. Encore deux autres? Allez. Obligé d'y aller en forçant, en bourrinant. Et pour autant, on ne campe pas, on ne tunnel pas, on fait rien de tout ça. Mais ils jouent sneaky, ils ont raison encore une fois. C'est le jeu ma pauvre Lucette, mais quand même. Mais là, ils sont par deux, quoi. Toujours, l'élève et le maître. Obligé d'aller en haut. On ne sait pas par quel miracle. Et il se cache, j'arrive, il se cache, très bien. Bah, il joue bien, il joue ce qu'il faut. Il joue ce qu'il faut. Et on a personne, ils sont en train de forcer le moteur. Et en face, on va voir comment ils se déplacent. C'est dingo, ok. L'autre a plongé du ciel, d'en haut, là, comme ça, hop là. Bah voilà, et lui il passait en P3. Pa. Quelqu'un pour l'aider ou pas? Ouais, il a fait le tour. On va voir, hein. Ok. Et lui il va être aidé. Parce qu'ils sont plusieurs. À moins qu'il les... C'est toi là. Et je tunnel même pas. Je tunnel même pas. Lui il était mode Giga Snake. Mais Giga Snake, encore une fois. Ok. Bon, on a l'honneur qui est sauf. On n'est pas non plus à l'abri de 4 saves de leur côté. Oh, elle est partie en... Ok, très bien. Elle est en mode... cache-toi ici. Elle court vite, nom de Zeus. Marty. Yeah. Ok. L'autre a été sauvé. T'as pas de palette là Si. Et barbe. Oh non, deux palettes côte à côte, mon gars. Écoute, pourquoi pas. Et là, il y a une autre palette à l'intérieur. Ok. Ok, très bien. C'est le... Bah là, je vais perdre avec ces palettes. Elle est incroyable, cette map. Elle est incroyable. Voilà, ça c'est plaisir. Ça c'est plaisir. Là, ils vont finir là. Allez, fais-moi rêver. Très bien. Là, ça peut éventuellement inverser la tendance. Mais elle m'a quand même poncé le nez avec ses palettes. Hein. Voilà, hop là. Nous avons qui, quoi, comment? On sait pas, on sait pas, on sait pas qui est où. Qui est caché où, on sait pas qui fait quoi. Ninja, nous avons le Dwight qui est... Qui est un terrible ninja du surnaturel. Merci SNP. Très grand merci à toi. Bonjour. Merci pour les 42 mois. Merci infiniment. Ça aussi, ça fait plaisir. Je crois bien que c'est le Dwight. Si tu te fais libérer, c'est que tu n'es pas tout seul. Ouais. Faisons ça. Voilà. Pa. Bah écoute, j'ai pas le choix. Hein. J'ai pas le choix. En faisant ça. Ok. On va pas l'emmener trop loin non plus. Hein. On va pas l'emmener trop loin.
Ils sont en train de forcer les moteurs. Peut-être même qu'ils sont en haut. Et on va voir ce que ça peut donner. Je pense qu'ils sont en haut en fait. Je pense qu'ils sont en haut. Je vais arriver. Soit ils sautent et se prennent le piège. Soit vers la fenêtre. Là, en haut, sur le balcon. Soit en sautant littéralement des hauteurs. Ok, c'est pas le cas. Bon, ça peut peut-être jouer en ma faveur. Du coup, c'est ce moteur-là qui va me poser problème. Et nous avons... Ah, mon petit gars. Mon petit gars qui n'ose même pas aller sauver Dwight. Qui veut bien prendre le risque que Dwight meure. Palette. Voilà. Bah, il est mort. Tu voulais pas le sauver, tu voulais rester Snake. Très bien. Il voulait pas le sauver. Et voilà, on en arrive là-dessus. Franchement, c'est dommage, c'est dommage. Ouais, fais ça. Et nous avons un là. Il a éventuellement un des dardes. Vas-y, des dardes. Bien joué. Non. J'ai dit non. J'ai dit non, hein. Pa 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 pa. Allez, mon gars. Oh non, mais c'est quoi cette équipe? Mais sans deck! Mais sans deck! Mais comment on a pu... Comment ils ont pu commencer comme ça et finir comme ça? Comment? Comment est-ce possible? Vous avez vu comment vous avez commencé? J'ai très envie de vous laisser survivre. Vraiment, j'ai très très envie. Mais quelqu'un dans le chat ne veut pas. Et Gourganda, là! Quel est donc ce... Pourquoi j'aurais dû juste te caler un... Un piège dans le nez, tu vois. Ouais. Ok. Ok, est-ce que j'aurai le temps? Si tu es protégé par quelqu'un, je dis pas, mais... Ouais, t'as pas des dards, sinon tu serais allé tout droit. Ouais, très bien, ça. Très bien. Bon, bah. Je vais devoir changer mon fusil d'épaule. Totalement. Et de l'autre côté. Voilà. Je dois ramener tous mes pièges. Tous mes pièges. Ici. Utiliser mon tour et jouer. Voilà. Et surtout faire en sorte de casser toute leur dynamique. Là, on a quoi? On a un moteur qui est là, qui fait ou pas? Ouais, c'est possible. Hein. En vérité, je vous le dis, c'est possible. Faut que je ramène tous les pièges, sachant qu'on a des moteurs, d'autres moteurs qui vont être faits. Ok, on a quelqu'un qui est caché ici. Ok. Donc toi, vas-y. Palette. Recule. Tu m'as vu faire ou pas? Le piège était posé là-bas. T'as double palette là, tu vas pouvoir m'aider. Voilà. Merci beaucoup, Oxalis, pour le sub offert. Très très grand merci à toi. Où est-ce qu'elle est? C'est une dinguerie, là. C'est une dinguerie. Merci pour le sub offert. Voilà.
Très bien. Double, double. On a qui, on a quoi? On a lui qui n'était pas blessé. C'est très compliqué pour moi là. Là c'est hyper compliqué pour moi. Je suis obligé d'aller à droite. Voilà. Ça c'est bien. Ça c'est bien. Je vais essayer de le poser quelque part. Où est-ce que je peux le poser? Je peux le poser là. L'objectif c'est que comme j'ai marqué les moteurs en donnant un coup de pied magique dessus. Enfin magique avec une perque. Voilà, deuxième. Non, non. Je vais essayer de sortir à droite. Peut-être un petit dédarde. Insuffisant. Ok. On va utiliser. Le tour est joué. Oh. Non, il n'y a pas de tour à jouer ici. Ok. A-t-il le tour à jouer ici? Une fois. Et on sait qu'il y a quelqu'un juste là. Elle va essayer de m'aveugler. Ok. Et elle n'a pas été relevée. Très bien. On va pas prendre de risque. On va l'accrocher ici, utiliser le tour à jouer. Très bien. Tour à jouer impossible. Ici parce qu'ils ont foiré. On doit récupérer les pièges qui sont éloignés. On a ce moteur là. Qui est en progression. On va utiliser le tour à jouer dessus. Ça va marquer le moteur. Elle était juste là. Très bien. Il y en a une autre qui est blessée. Hein. On l'a entendu. Elle était juste là. Elle était revenue. Le symbole au-dessus de sa tête, c'est un skin. Peut-être utiliser le dédarde. Ça a l'air d'être le genre de la maison. Hein. C'est quand même mieux de faire un dédarde qui soit pas face au mur. On a déjà tous connu ça. Évidemment. Ok. Là, je remonte un peu la pente. L'objectif, c'est de poser ça ici. Quand je dis ça, je parle bien sûr de la demoiselle. Sachant que cette demoiselle est aussi un joueur. Ouais, une joueuse. J'ai même entendu parler de cette histoire où il y avait des... comment on appelle ça? Des gameuses, voilà, c'est ça. Et c'est très apprécié parce que je trouve qu'on est dans un monde qui pousse à la pluralité. Et ça, c'est agréable. Alors... on va quand même aller avec... le tour est joué. Ici. Voir qui fait quoi. Ce moteur n'est pas touché. Ce moteur non plus. Pas avoir besoin d'utiliser le tour est joué. Très bien. Dommage, j'aurais pu. J'aurais pu. Très bien. Ok, est-ce qu'il me voit poser quelque chose là ou pas? Ou pas? Très bien. J'essaie de coincer le moteur d'une part et d'autre. Je vais tout droit. Lui, il a l'air de se cacher totalement dans le coin pour nous pousser dans nos retranchements. Il se cache de manière assez bizarre. Hein. Ok, bah c'est pas grave. On va quand même aller sur... ils essayent de totalement vous attirer ailleurs. Ce qui n'est pas forcément intelligent, mais pour le coup, nous pousse un peu au vice. Et c'est pas que j'aime pas ça, hein, mais le contraire. Bonjour mon petit Dwight. Est-ce que c'était bien nécessaire cette histoire? Alors je vais essayer de le chase. M'emmène dans un coin. C'est pas giga malin hein, pour le coup. Ils essaient de faire le moteur en bout, mais ils vont peut-être réaliser un peu tard que c'est un peu trop loin de la map centrale. Non, il n'a pas du tout de dédarde.
Et je vais pouvoir l'emmener ici. Et récupérer le dernier piège en face. Non, c'est pas nécessaire. Voilà. Champagne! Je vais récupérer le piège en face. On va continuer à cultiver ce petit champ de piège à ours. Même si on a, il nous manque un emplacement pour récupérer ce piège-là. Si on avait posé le piège jadis autrefois là-bas, on aurait peut-être pu en profiter, mais c'est pas le cas. Je peux utiliser le tour et jouer et en plus marquer le moteur. Ils sont allés tout droit dans les profondeurs des méandres des pièges de la muerte. S'ils essaient de passer la fenêtre, ils se prennent le piège. Là, je marque ce moteur aussi. Là, ils essaient d'aller tout droit. Là, qu'est-ce qui se passe? Il y en a un qui tombe dans un état critique. Tous les moteurs marqués en jaune, comme ça, vont subir les conséquences qui impliquent une régression automatique. On sait qu'il y a quelqu'un ici, donc on va poser des pièges qui vont empêcher leur retraite. En espérant qu'il n'y ait personne qui soit... Qu'il n'y ait personne... Oh. En espérant qu'il n'y ait personne... est passé les lignes arrière. Je peux récupérer ce piège là maintenant que je suis assez proche en espérant que personne n'avance. C'est à dire que ils ont malgré tout une progression. J'ai vu un cucu dans le lointain ici. Ils vont vers le moteur. Nous avons ici quelqu'un d'autre. S'il essaie de passer la porte, voilà, ça va être un peu compliqué pour lui. Qu'est-ce que j'avais dit? Là, je le marque ici aussi. L'autre aura le temps de sortir du piège, mais le temps que j'arrive, ouais. Le temps que j'arrive, j'ai utilisé la compétence oppression, qui fait de nouveau régresser le moteur. S'il fait le tour, il se prend le piège. 3, 2, 1, ça passe pastèque. Quoi? Non? Bah alors. Bien tenté. Nous avons quand même quelqu'un, hein. Ici, qui est blessé. Peut-être qu'il a fait le tour, peut-être qu'il est resté dans le coin. Non? Bon. Ils ont bien géré. J'ai mes trois moteurs ici. Il n'en reste plus qu'un. Ce qui peut jouer. Ils vont essayer de rusher, là. C'est leur seul moyen de foncer, de gagner, c'est de rusher. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire sans se soigner. S'il va tout droit, voilà ce qui se passe. Je marque ce moteur. J'arrive. Et je le pose. Et on sait qu'il y a quelqu'un, juste ici. Là-bas. Donc, je vais... essayer de le ramasser et le poser sur un crochet fégélateur, un peu plus loin. Donc c'est soit ils finissent le moteur maintenant, c'est possible, le temps que je l'amène ici, et dans tous les cas ça va les obliger à se splitter. Donc là je vais avancer, ils vont forcer la réparation du moteur. Là ils sont deux, ils sont peut-être deux sur les moteurs en face. Je pose ça ici, des fois qu'il y en a un qui tente le diable. Quelqu'un était là-bas. Nous savons, nous sachons que la Kate est là en train de réparer. On va utiliser... Ah non, c'est pas la Kate. Très bien. Attention. Très bien. C'est qu'il y a personne qui passe là. On va poser ça ici. On sait qu'elle est là-bas, hein. Il y a toutes les chances qu'ils finissent le moteur. Toutes les chances. Même s'ils étaient en train de prendre le temps de se soigner. On va condamner les accès en un mot. Et on va progresser par là en espérant que s'il y en a un qui passe... voilà. Voilà. Peut-être qu'il y en a un qui est en hauteur. Car on sait qu'il y en a un peut-être là. Je viens cucu. On sait qu'il y en a un là. Parfait. Ils sont deux.
Ok, juste à le faire tomber, mais c'est rien n'est moins sûr. Allez, comme ils sont loin. Ils sont trop loin. Là, il n'y a plus de palette en revanche. S'il y en a une. C'est un peu compliqué pour moi. Ah. Ah, il m'emmène le plus loin possible. C'est vraiment de la triche. Il y a tellement, tellement de chance à ce que... Vas-y. C'est bien. Voilà. Là, la seule chance que j'ai, c'est d'atteindre ce crochet fégateur avant qu'il finisse le moteur. C'est ma seule chance. Ça va se jouer à quelques secondes, tout juste, vu qu'ils sont en train de rusher. C'est ça. Donc là, ils vont continuer à rusher le moteur qui est tout droit, en étant éventuellement blessé, c'est ce qui se passe. Et je vais y aller, moi, directement, avec le tour est joué, parce qu'ils ont tenté de finir leur épargne. J'utilise le tour est joué. Donc je marque. En face, ils ont une team qui est splittée. Et là... Nous avons un moteur qui a complètement régressé. Nous avons quelqu'un qui est pas là. Très bien. C'est ce moteur-là qu'ils essaient de faire. Mais le tour est joué a réduit de 25% le moteur. Ce qui est vraiment à mon avantage. Et très intéressant. Je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Je ne sais pas s'ils auront commis la bêtise de se cacher là. Saute. Attention. Ok, si je te fais tomber, les moteurs sont marqués. Tu vas avoir tendance de toute façon à aller tout droit pour m'éloigner le plus possible. Et là, il y a éventuellement une palette là. C'est hyper intéressant pour toi. Ok, est-ce que t'attendais là? Je ne sais pas. Toi, t'es blessé. Ok. Les autres reviennent. À la charge. On va essayer de les prendre par la droite pour les forcer à faire le tour. Ok. Nous sachons qu'il y a... Ah ah! Bien joué. Bien joué, bien joué. Il attendait le burst, mais elle va se prendre le piège. Soit elle passe par là, soit elle passe par là. Oh! Eh ben, c'est bien joué. On voit une porte là, une porte là-bas. C'est pas grave, on a été clean. On a été totalement clean. On a été totalement clean. Hop. Nous savons qu'il y a peut-être quelqu'un là. Qui ouvre... Voilà. Et qui va s'enfuir, regardez. Regardez l'abandon. On va y voir l'abandon. Au revoir. Voilà. 1-2 sur 4, c'était bien. Ah, c'était clean.